mais non, donc l'Indominus se casse. Mais c'est pas grave, parce que Masrani, il avait prévu que ça pouvait se passer, d'accord? La viabilité même du parc repose sur notre aptitude à gérer ce genre d'incident. Ça pouvait arriver, on le savait. Donc il avait prévu une unité d'élite qui va tout péter! Oh, vous allez tout péter! Vous êtes mort, en particulier toi, là, le crâneur avec ton bâton électrique. Donc l'unité spéciale, là, elle suit l'Indominus à la trace grâce au GPS! Ça a l'air sympa, franchement, ça a l'air sympa, le canoë avec les dinosaures sur la berge et tout. T'imagines, il y a un apatosaure qui glisse et paf! Des touristes en moins! Parce qu'à Jurassic World, on ne rigole pas avec la sécurité, d'accord? On ne rigole pas avec la sécurité à Jurassic World! Attention! Owen, qui a réussi à survivre à l'attaque de l'Indominus, arrive dans la salle de contrôle et très vite, il se rend compte que l'unité d'élite, là, bah, va y passer. Vous la chassez avec des armes non létales. On en est à 26 millions de dollars investis dans ce sujet, vous nous voyez le tuer? Attendez, Gennaro, il a dit que ça coûtait combien un employé mort dans le premier film déjà? La famille de cet ouvrier nous réclame 20 millions de dollars de dommages d'intérêt et tu me dis que Hammond ne peut même pas venir me voir? Donc on va faire un compteur de dommages d'intérêt pour voir combien Masrani va devoir arroser la famille des malheureux employés morts. Parce qu'il est déjà déficitaire, là. L'équipe de confinement arrive à l'endroit du GPS et on découvre que l'Indominus, bah, l'a arraché. Parce que l'Indominus, il est ultra intelligent, tu vois. Il sait à quoi ça sert, un GPS. Il a la science infuse. C'est le Einstein des dinosaures. Et même encore mieux, parce que Einstein, avant de découvrir E égale MC2, tu vois, il a fallu qu'il apprenne à compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et après, il a découvert la relativité. Mais non, l'Indominus, lui, il passe pas par là, lui. Il sait à quoi ça sert, un GPS. Il sait berner une caméra thermique. Il sait qu'il est suivi. Il a prévu un putain de piège, parce que l'Indominus, c'est un prédateur! Donc fatalement, qu'est-ce qui se passe? Elle peut se camoufler! Bah, comme on a dit Owen et moi, bah, ils meurent tous. Vous pouviez pas faire comme dans le monde perdu! Vous prenez des fléchettes tranquillisantes comme du carfentanil. Roland lui a filé deux fléchettes de concentré de carfentanil, plus de 10 mg. 10 mg aurait dû le mettre dans le coma. Il a cessé de respirer, alors on lui a administré du naltrexone. Deux fléchettes, ça a failli tuer le tyrannosaure. Et vous lui en mettez plein le cul. Et vous en avez du carfentanil. Me dites pas que vous en avez pas, vous en avez. Il vient de recevoir 5 mg de carfentanil. Ouais, il est grave défoncé. Mais au lieu de prendre ça, vous préférez prendre des bâtons électriques et vous vous faites défoncer. Je ferme toutes les infrastructures au nord du complexe. Alerte niveau 1, situation réelle, ramenez tout le monde. Eh ben c'est pas trop tôt. Ils décident d'arrêter les freins et de mettre le parc sous alerte pour éviter qu'il y ait d'autres gens qui meurent. Ensuite, nous retrouvons Zach et Greg qui attendent à une attraction, les Gyros. Oh putain, ce regard de taré. Et les filles, ça les fait marrer. Il y a un gars creepy qui les regarde de façon insistante, ça les fait marrer. Moi je suis désolé, il y a un gars ou une fille qui me regarde comme ça. Moi, j'appelle les flics direct. Donc, les gyrosphères. Les deux gamins montent dans une gyrosphère qui est une sorte de boule à hamster géante qui est censée rouler, en fait, au milieu des dinosaures. Et là encore, en termes de sécurité... Mais oui, baladons-nous au milieu de dinosaures qui font plusieurs dizaines de tonnes avec notre boule en verre. Où est le problème? Rien que les jours où il pleut, ça doit être magnifique comme concept. Zach et Gray partent avec leur gyrosphère. Aussitôt, ils sont partis, l'attraction se retrouve fermée. Et normalement, si l'attraction est fermée, on rappelle les boules, et la dernière boule à hamster à être partie est la première à en revenir. En toute logique. Mais non. Pendant ce temps-là, Masrani rend visite à Henry Yu, qui est le seul personnage de Jurassic Park à revenir dans ce Jurassic World, et Yu part dans un numéro de savant fou. Vous savez que je ne suis pas autorisé à vous révéler la composition génétique du sujet. Quoi? Pas autorisé? Mais c'est lui le patron, pas autorisé par qui? Raptor Jésus? Et là, tu es des êtres humains, Henry. Comme si c'était la première fois qu'une de ces bestioles tuait quelqu'un. Et comme je l'ai dit, Henry Yu part dans un numéro de savant fou. Vous agissez comme si nous étions une bande d'apprentis sorciers. Il n'y a rien à Jurassic World qui soit naturel, alors que nous ne faisons rien d'autre que ce qui se fait depuis l'origine. Et il est vrai que si leur code était pur,
beaucoup auraient un aspect différent. Cette scène a décrédibilisé toute la saga Jurassic Park. Alors j'y reviendrai plus tard à la conclusion, mais ce que vient de dire Henry Yu là a fait mal à mon petit cœur de fan. À ce moment-là, Zach et Greg, qui sont toujours dans leur boule à hamster géante qui n'a toujours pas été rappelée, tombent sur un troupeau d'herbivores et enfin l'attraction est fermée. Genre 20 minutes après que l'alerte ait été lancée et que l'embarquement des gyrosphères se soit arrêté, il rappelle les boules. Et encore, même pas il rappelle les boules genre contrôle automatique, vous avez pas le choix. Non, c'est les gens qui doivent revenir par eux-mêmes. Donc si les gens n'ont rien à foutre, ce qui se passe parce que Zach est un gros con, eh ben, on continue. On peut même accélérer et rouler à fond histoire de mettre la panique chez les dinosaures. Comme ça, s'il y en a un qui glisse, il peut écraser les deux gosses. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Bon, allez, je suis gentil. Si ça arrivait, Gray peut survivre. Il peut survivre, je suis sympa. Claire, de son côté, soudain, elle se souvient qu'elle a des neveux, tu vois. Bon, ça fait longtemps qu'elle les a pas vus, mais quand même, c'est elle qu'on a la responsabilité. Alors, elle décide de se renseigner pour savoir où ils sont, donc elle appelle la nounou super sexy. Retournez immédiatement à l'hôtel avec les enfants. Je sais pas, je les ai cherchés partout. Quoi, non? Moi, vite, j'entends rien. Zach et Gray, ils ont filé. Ils ont quoi? Je suis désolé, mais moi, si je suis Claire, la nounou super sexy, elle est virée. Ensuite, Claire appelle Zach sur son portable pour le prévenir du danger, mais évidemment, au moment de lui dire, la communication déconne et coupe. Mais comme Claire sait que les gamins sont dans la gyrosphère, elle a juste à demander à Lowery s'il les a tous ramenés. Et lui, il lui répond bien évidemment que oui. Il reste des gyrosphères dans la vallée. Non, elles sont toutes revenues, c'est mon taf. Quoi? Ah si, il en reste une sur le terrain. Moi, à la place de Claire, Lowery, il est viré. Ensuite, elle appelle les Rangers du parc pour leur demander d'aller chercher les gosses. Il va falloir attendre, on est déjà surbookés. Non. Deux invités sont manquants, c'est une priorité absolue. Tais-toi et obéis. Ok, je vais le faire moi-même. Les Rangers sont virés. C'est bien simple, moi, à la place de Claire, ils sont tous virés. Virés. Tous virés. Les gamins qui veulent pas rentrer, enfin, Zach qui veut pas rentrer, tombe sur une porte totalement défoncée qui mène à la zone interdite du parc. Pourquoi aller défoncer? Ah, oh, ta gueule, tu poses trop de questions, là. Donc, ils arrivent devant la porte, et Zach décide d'entrer dans la zone interdite. Le gars, il se dit pas qu'il y a un problème, tu vois, l'attraction est fermée, il y a une porte défoncée, il y a Tata Claire qui l'appelle en mode panique, mais pour lui, il y a aucun problème, tu vois. Je suis désolé, moi, d'après mes critères, dans n'importe quel film, tu mérites de crever, espèce de petit con. Pendant ce temps-là, Claire part à la recherche d'Owen pour qu'il l'aide à retrouver ses neveux. Là, c'est notre système de parce qu'Owen a déjà prouvé par le passé qu'il savait prendre toutes les décisions de bon sens. Et donc, elle lui demande s'il peut aller chercher les gamins. Quel âge? Qu'est-ce que t'en as à foutre de leur âge, là? Va les chercher, demande-lui plutôt où est-ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont dans la zone interdite, avec leur gyrosphère, devant un troupeau d'ankylosaures qui sont en train de manger tranquillement. Et qu'est-ce qui arrive derrière eux, hein? Qu'est-ce qui arrive derrière eux? Bah, l'Indominus, qui après avoir joué un petit peu au football avec leur gyrosphère, décide de les attaquer. Les deux gamins arrivent à s'échapper parce que l'Indominus fait joujou avec sa baballe et ils arrivent devant une cascade, sautent pour échapper à la mort et l'Indominus, bah... comme il les voit pas réapparaître, bah, il sait plus quoi faire. Il sait pas ce qui se passe, il doit penser que les gamins, ils sont effervescents, il sait pas. Ok, l'Indominus, des fois, il est super intelligent, et des fois, il est complètement con. Ça dépend si ça arrange le scénario ou pas, en fait. Ensuite, on arrive sur une scène qui pourrait très facilement être interprétée d'une certaine façon, en fait. C'est la mort d'un des apatosaures. Sa tête à l'apatosaure, en fait, c'est le seul animatronique réellement visible dans ce film. Tous les dinosaures de ce Jurassic World ont été faits en effets spéciaux numériques. Jurassic Park a marché à l'époque pour la révolution de ces effets spéciaux numériques, mais il y avait un certain équilibre entre numérique et effets spéciaux réels, en fait. Comme par exemple la scène du tyrannosaure sous la pluie. Mais dans Jurassic World, cette scène de l'apatosaure qui meurt, eh bien, on pourrait très facilement l'interpréter comme la mort de l'animatronique au profit du tout numérique. Bon, on y reviendra dans la conclusion, mais voilà. Alors, l'apatosaure meurt, et ensuite, on découvre quelque chose dont on se doutait déjà, en fait. C'est que l'Indominus, bien, il est pas viable dans un environnement naturel. Il est contre nature, il est contre la nature dans un sens. De son côté, Hoskins, qui est le patron d'InGen, qui au départ était une société de biotechnologie, c'est eux qui ont créé les dinosaures de Jurassic Park,
alors que maintenant c'est un groupe de mercenaires, va savoir comment la transition s'est opérée. Donc Hoskins décide de débarquer des voitures et du matériel militaire en cachette sur Isla Nublar parce qu'il a une idée derrière la tête. Connaissant le personnage, ça doit être une super idée encore. Et Omar Sy a décidé de le suivre. Pourquoi il a décidé de le suivre? On sait pas, mais il a décidé de le suivre. Et au moment de prévenir Owen qu'il y a un truc qui cloche avec Hoskins, c'est bien évidemment... Qu'est-ce qu'il faut? Trois fois. Trois fois le cliché de la communication qui déconne. Encore si c'était expliqué de façon logique dans le scénario, parce que ça peut l'être, très facilement. Ils sont sur Isla Nublar, l'île des brumes. S'ils donnaient cette explication toute simple au détour d'une petite réplique, ça passerait crème. Mais comme ils disent rien, en fait, ça sert juste de prétexte pour le scénario. Dans la jungle, Owen et Claire tombent sur la gyrosphère pétée, suivent les traces des gamins qui étaient en train de fuir et arrivent devant la cascade. Et là, Claire nous fait une petite Amanda Kirby. Et Owen décide de partir seul à la recherche des deux gamins parce que Claire n'est clairement pas qualifiée pour aller chercher les deux gosses. Tu tiendras pas deux minutes là-dedans, encore moins avec tes talons. Elle fait quoi là? C'est quoi le cheminement de sa pensée à ce moment-là? Il lui parle de ses chaussures, elle enlève son chemisier. Vas-y Owen, parle-lui de ses cheveux pour voir ce qu'elle enlève d'autre. Finalement, après cette démonstration de je sais pas quoi, Owen accepte que Claire le suive et les deux personnages s'engouffrent dans la jungle. Et dans la jungle, il y a Zack et Greg qui marchent dans la jungle et tombent sur une voiture complètement explosée. C'est quoi cette voiture? Qu'est-ce qu'elle fout là? Par quoi elle a été attaquée? Certainement l'Indominus? Mais quand? Comment? Pourquoi? On n'en sait rien et le film s'en fout. Et on s'aperçoit ensuite que les deux gamins arrivent devant le centre des visiteurs du premier parc, là où s'est passée la scène finale du premier film, la meilleure scène de tous les temps. Déjà, topographiquement, ça colle pas. Rien que la porte d'entrée, devant, il y avait plein de marches, alors que là, il n'y a plus rien. Il y avait aussi un bassin artificiel, alors que maintenant, c'est la jungle profonde, quoi. Il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Même pas un petit morceau de bitume ou de rail électrique qui dépasserait. Plus rien. Et surtout, quand ils rentrent dedans, c'est une grotte, le truc, c'est une grotte. Ça fait 20 ans, juste 20 ans, pas 4000, avec les lianes qui dépassent des murs et les arbres qui poussent tout partout au milieu de la pièce. Et vous savez pourquoi c'est une grotte? Parce que c'est un clin d'œil. Et qu'un clin d'œil, même si ça fait plaisir aux fans, eh ben ça doit pas coûter non plus trop cher. Moins on l'éclaire, moins on a à le reconstruire dans le détail. Sauf certains détails vraiment importants pour que le clin d'œil marche vraiment, quoi. Donc ensuite, les deux gamins arrivent dans le garage du centre des visiteurs et tombent sur les jeeps du premier parc qui n'ont pas roulé depuis 20 ans. Mais c'est pas grave, parce que les deux gamins vont décider de réparer la voiture avec la batterie de la voiture qui est détruite dehors. C'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs. Parce que Zack va réussir à réparer une vieille Jeep de Jurassic Park avec la batterie de la voiture qui est dehors. Heureusement qu'elle est là, cette voiture. Ouf! Et puis, c'est une chance que la batterie soit compatible, alors que les deux voitures sont sorties à 20 ans d'écart, sans compter le fait qu'au bout de 20 ans sans démarrer, la Jeep, elle a que la batterie comme problème. Pas d'essence séchée dans le réservoir, pas de moteur encrassé, même pas elle tousse la voiture, même pas elle fait de la fumée quand il la démarre. Putain, c'est pas de la merde! Pendant ce temps-là, Hoskins va voir Masrani et nous dévoile son plan. Je bosse depuis 2 ans sur un possible usage des Raptors. Ils peuvent traquer et tuer cette créature. Quoi? C'était ça son plan secret sur la plage? Se servir des vélociraptors pour tuer l'Indominus? Il a pété un plomb. Les vélociraptors, je sais pas, ils font 2 mètres alors que l'Indominus il en fait 6, mais ils vont se faire défoncer. Et Masrani lui répond quoi? Je vais étudier personnellement votre projet pour estimer sa viabilité, conformément aux principes moraux de l'entreprise. On va la refaire avec des sous-titres. Je vais étudier personnellement votre projet pour estimer sa viabilité, conformément aux principes moraux de l'entreprise. Bon, Masrani, c'est peut-être un enfoiré, mais c'est pas un imbécile non plus. C'est pas comme s'il allait prendre l'hélicoptère et aller chasser lui-même l'Indominus. J'arrive pas à joindre votre instructeur. Laissez tomber. Ils sont tous occupés par l'évacuation. Et vous êtes sûr que personne d'autre peut vous emmener? On a besoin de personne. Faut vraiment que je ferme ma gueule. Et puis au nom de quoi Masrani devrait piloter cet hélicoptère? Tu veux dire qu'ils ont pas d'autres pilotes sur cette île? Vous étiez militaire avant de bosser ici? On a fait l'Afghanistan! Ah mais si, il y a lui! Lui, il a fait l'armée! Alors, je suis peut-être pas un professionnel du pilotage hélicoptère, mais je pense que quand on a fait l'armée, on est capable de piloter un hélicoptère seul. C'est comme si le scénario exigeait que Masrani soit dans cet hélico. Owen et Claire ont entendu la voiture de Zack et Greg qui démarrait et se précipitent donc vers le garage du centre des visiteurs, aussitôt suivi par l'Indominus qui lui aussi a entendu la voiture des deux gosses. Il les voit là! Il les voit!
Pourquoi il les bouffe pas tout de suite? Ah, excusez-moi, il voulait leur faire peur, il voulait tout défoncer et leur laisser une chance de s'échapper. En fait, il est schizo. Il a deux personnalités, une intelligente et une autre complètement débile. Après qu'Owen et Claire se soient échappés, l'Indominus défonce le centre des visiteurs qui a été construit en mousse et l'hélicoptère de Masrani arrive. Ils ont fixé une grosse mitraillette dans l'hélicoptère qui est juste au-dessus de l'Indominus, mais ils arrivent pas à le toucher. C'est pas comme si c'était un ancien militaire qui tirait avec une putain de sulfateuse dans un hélicoptère à 20 mètres de distance. Non, non. Et l'Indominus réussit à se mettre à l'abri dans la volière du parc où il fait peur aux ptérosaures qui s'échappent et attaquent l'hélicoptère de Masrani. Oh merde! Masrani, il est mort! Vous imaginez s'il n'était pas monté dans cet hélicoptère? Nous avons une brèche dans la volière. Son patron, il meurt et elle, elle pleure direct. Waouh! Ça, c'était un patron qui savait se faire aimer. Parce que moi, personnellement, si mon patron vient à mourir dans un accident de ptérosaure, je vais pas spécialement me mettre à pleurer. Je serais triste, mais je crois que je vais bientôt être viré. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que l'Indominus, il l'a fait exprès? Est-ce qu'il est rentré exprès dans l'enclos des ptérosaures pour leur ordonner d'attaquer l'hélicoptère? Ou est-ce que c'est juste un concours de circonstances et que même l'Indominus, il a été surpris? Parce que si c'est le premier cas de figure, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans la volière, parce qu'il savait que les ptérosaures pouvaient voler et faire cracher l'hélicoptère, parce qu'il savait qu'un hélicoptère pouvait se cracher, et qu'en plus de ça, il savait comment parler aux ptérosaures. Alors non, non, on va dire que c'est juste un concours de circonstances, ok? Donc les ptérosaures s'échappent et vont directement vers le village du parc. Parce que le plan d'alerte de Jurassic World nécessite de réunir tous les visiteurs dans le village du parc. Ce qui veut dire que les ptérosaures vont directement aller dans cette direction pour attaquer des gens. Parce que les ptérosaures sont ultra vénères, ils ne pensent qu'à attaquer des gens. En plus de ça, les gens ils sont complètement cons, parce que au lieu d'aller s'abriter dans les bâtiments, ils préfèrent rester courir au milieu de l'allée principale. Ah non, 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 on lâche pas les cocktails, on lâche surtout pas les cocktails. Ça coûte une blinde quand même. Et au même moment, au loin, il y a Hoskins qui observe la scène avec sur le visage un air de ha ha ha, il y a des gens qui meurent, je suis trop méchant, ha ha ha. Pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. De leur côté, Zach et Grey reviennent dans le village du parc, dans l'allée principale du parc, au même moment où les ptérosaures arrivent, et ils retrouvent leur babysitter qui se fait aussitôt attaquer. Et ma foi, la pauvre. Mais la pauvre, franchement, elle s'en prend plein la gueule. Je sais pas pourquoi, parce que les autres visiteurs, les ptérosaures, ils les attrapent, ils les relâchent, et puis c'est terminé. Mais elle, non, ils la prennent, ils la jettent dans la flotte, et... Vous êtes sûr d'être assez cruel avec elle? Mais non, allez-y, montrez-nous comment elle se fait digérer pendant que vous y êtes. C'est le vendetta à ce niveau-là, je vois pas d'autre solution. La babysitter, elle avait l'air stressée de nature, alors pour décompresser le soir, elle allait dans l'enclos des ptérosaures quand ils étaient encore petits, et elle leur filait des coups de talons aiguilles, ou... Enfin, franchement, je vois pas d'autre solution. De leur côté, Owen et Claire reviennent eux aussi dans le parc, et ils vont essayer de contenir cette invasion de ptérosaures. Oh bah tiens, ils ont des flèchettes tranquillisantes ce coup-ci. Ils ont dû retrouver une caisse de carfentanil dans un placard. Et devinez quoi, ça marche du tout. Tonnerre de feu de Dieu! Et finalement, Owen, Claire, Zach et Grey se retrouvent. Grey! Oh, Dixwell, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais folle d'inquiétude. C'est qui, lui? Qu'est-ce que ça peut te foutre, franchement? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es jaloux? C'est ta tante, espèce de gros dégueulasse! Hoskins décide de profiter de la mort de Masrani et du fait que ça soit le bordel dans le parc pour prendre le contrôle du parc et ainsi pouvoir mettre en œuvre son plan de vélociraptor chassant l'Indominus. Il en profite d'ailleurs pour faire venir ses mercenaires de haute voltige qui eux aussi sont très méchants. Le fait que le gars tue un dimorphodon, moi je m'en fous, mais pourquoi le dimorphodon il allait vers l'île? Je veux dire, il s'en échappait, pourquoi il allait dans le même sens que l'hélicoptère? Il aurait dû le croiser en fait. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Lowery prévient Claire et Owen du plan d'Hoskins, mais pendant qu'il les prévient, Owen, Claire et les enfants sont obligés de se mettre à l'abri dans une voiture pour échapper à un mouvement de panique. Oh, on peut rester avec toi? Je m'éloigne plus de vous tant que vous êtes non, en vie. Non, avec lui.
Oh, c'est bon, là. Il a juste fait une marche arrière. C'est elle qui a sauvé la vie, il y a pas 5 minutes. Une fois la nuit tombée, les vélociraptors sont préparés pour aller chasser l'Indominus et c'est à ce moment-là qu'Owen, Claire, Zach et Gray arrivent. La mère Boule arrive enfin. C'est pas... Oh, oh. Et Hoskins tente de légitimer son plan auprès d'Owen. Combien de morts de plus il faudra pour que cette mission soit légitime à tes yeux? Ça va arriver. Avec vous ou sans vous. Bah moi je serais Owen, je lui dirais d'aller se faire foutre en fait. Je sais très bien que les vélociraptors ils vont tuer tout le monde. Tu me laisses juste le temps de m'échapper avant de relâcher les vélociraptors et puis salut quoi. Allez on se barre, moi... au revoir, bonne chance. Mais Owen décide quand même de les aider parce que c'est un bon samaritain et qu'il va faire en sorte que le moins possible de personnes ne meurent. Et il fait un briefing aux hommes d'Hoskins parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui sait comment les vélociraptors réagissent. Quand ils l'auront localisé et ils vont la localiser, vous attendez le signal. Les vélociraptors chassent en meute. C'est là qu'il faudra l'abattre, à bout portant, à mon commandement. Et là, il faudra envoyer le paquet. On n'aura droit qu'à une chance seulement. Et ne touchez pas mes raptors. Ok, Owen, y'a aucun problème. C'est toi le patron, c'est toi qui commande. Moi, je tire. Quand tu me dis de tirer, y'a aucun problème. Merci. Mais de rien. Par contre, j'aurais quand même une question. On libère les vélociraptors, ils traquent l'Indominus, on tue l'Indominus, et après, les vélociraptors, on en fait quoi? Je m'en fous. Non, vous en allez pas les gars, parce que moi je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et il lâche finalement les vélociraptors. Pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant.